En début du mois de mai, précisément le 6 mai, on vient de lancer une nouvelle usine de production de poteaux en béton armé au niveau de qui juxtapose dans notre site de Taklamakan. Tous les grands projets qui ont été mis en œuvre par rapport à leur exécution, on faisait venir les poteaux d'ailleurs. Généralement, les poteaux viennent de Niamey ou de Malbaza ou bien de l'usine de Zender. Aujourd'hui, Dieu merci, la région de Maradi vient d'avoir une usine vraiment en mesure de fournir, au-delà même de la région de Maradi, pratiquement toutes les régions voisines en poteaux. Ça va nous permettre d'économiser moins les transports et les risques de casse des poteaux. Le rythme actuel, c'est une fabrication de 24 poteaux au jour. Au bout de 6 mois ou au bout d'un an, vous allez voir que c'est quand même beaucoup de poteaux que la région de Maradi va produire à son niveau. L'un des grands avantages de cette usine, c'est une usine qui fabrique quand même des poteaux qui sont très bien appréciés eu égard à la qualité des agrégats au niveau de la région de Maradi. Vous avez du bon gravier, vous avez du bon sable siliceux. Et les autres ingrédients comme le fer à béton, le ciment qui sont venus d'ailleurs font que nous avons des poteaux vraiment de très bonne qualité au niveau de la région de Maradi. C'est dire que la région de Maradi, en termes de poteaux pour l'exécution des nouveaux travaux, comme les travaux sur budget d'investissement ou les travaux des projets d'extension ou bien les travaux remboursables, c'est-à-dire les branchements payés par les personnes tierces, la région de Maradi va s'autosuffire et au-delà même, elle va servir aussi, comme elle était servie avant, les autres régions voisines. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons une capacité de 434 poteaux, y compris la production d'aujourd'hui qui est en cours. Ceux qui sont déjà sur place, nous avons 410. Et vous voyez déjà, il y a d'autres qui sont au stock et d'autres dans les piscines. Et il y a d'autres encore qui sont en cours de production. Vous avez vu, on a un hangar qui nous permet de travailler quand même aisément sous l'ombre. Et une partie qui n'est pas couverte là où on stocke les poteaux. Donc nous avons deux palans, neuf, qui marchent bien. Nous avons deux bétonnières, il y a une qui est au derrière. Nous avons une bétonnière pupille encore qui nous appuie en cas de panne. Des différents types de poteaux que nous en avons. Nous avons des 9800, des 12500, des 10800 et 12000. Et tout ce que vous voyez, ça, c'est des 12500. Nous avons des 9500, nous avons des 9300, nous avons 4 bassins d'immersion de PBA.